Le club sort optimiste de Carcassonne organise ce week-end son premier salon Talents de femmes. Du 16 au 17 octobre, les Halles Prosper Montagnier accueilleront 27 exposantes qui présenteront au public leurs créations. Le club sort optimiste de Carcassonne organise ce salon de femmes pour promouvoir les artisanes et artistes de l'Aude, les faire connaître, puisque c'est dans notre programme de leadership et d'autonomisation des femmes. Et donc nous essayons de nous faire connaître aussi en les réunissant. Et ces exposantes, elles sont soit des artistes peintres, soit des céramistes, soit des filles qui font des confiseries, il y a une viticultrice, il y a un peu de tout. Et c'est des exposantes qui viennent de l'Occitanie. Le Sort Optimiste est une ONG qui travaille dans 5 domaines de programme correspondant aux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc pour nous, on a l'éducation des femmes et des filles, l'autonomisation et le leadership des femmes et des filles, la santé des femmes et des filles, l'environnement et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Donc ça, on va prendre ce salon comme une action en faveur de l'autonomisation et du leadership des femmes et des filles, mais aussi ça va être une manifestation, c'est-à-dire un moyen de récolter de l'argent pour après donner cet argent et faire d'autres actions dans d'autres domaines de programme. Ça peut être une bourse qu'on donnera, ça peut être de l'argent qu'on va donner pour aider des femmes victimes de violences, ça peut être beaucoup de choses. En 2020, le club Sort Optimiste de Carcassonne a versé à la jeune judoka carcassonnaise Doumia Nasser une bourse de 1 000 euros pour l'accompagner dans son parcours sportif.